Hello les gens, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour la suite de la soluce de Resident Evil 3 sur GameCube. La suite et la fin. Et oui les gens, on va finir ce jeu dans cette vidéo. Comme le dirait le jargon, let's go. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la merde, on a de la merde, ok. On a de la merde. Bon, on se demande où est Nikolai. C'est sûrement. Donc on peut rien examiner. Un récepteur radar portatif. Vous avez le récepteur radar en votre possession. Ah bah c'est cool. Allons-y. Attrapé verrouillé. Ouais. Allô? You're still alive. Such persistence. Oui, je suis résistante. Nikolai? Sorry, but there is no escape from here. Ah ouais, le bâtard. On va essayer de négocier. Parce que là, j'ai pas envie de mourir. You want to get out of here alone. Is that your plan? I made certain none of the other supervisors survived. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Then why kill me? I'm not on their payroll. They want me eliminated for reasons of their own. The amount is modest, but there is a reward. Upon the confirmation of your death. Although I'm sure I'll miss you, it's time to say goodbye. You can either accept death with dignity or die with regret. It's entirely up to you. Au revoir, Nikolai, hein? Ramène-moi un barbecue. Bon ben, Nikolai est parti. Jill, what happened? Carlos, Nikolai beat us to the chopper. I guess this is it then. But I don't want to die in a place like this. This isn't over yet. I'm not giving up. Bonjour Pierre. We still have a chance. Il a pas dit son dernier mot, Jean-Pierre. I am not going to give up. Ouais, 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 ok. Jill, that's ouais. It. We've got to find a way out of here now. Ok. Warning. Missile attack confirmed. Warning. Missile attack confirmed. Emergency level D. All personnel evacuate immediately. Bon, espérons que Carlos ne soit pas parti, hein. Donc là, voilà le décompte. Oui, c'est différent. que d'habitude. D'habitude, on a vraiment un chronomètre. Non, là, c'est différent. Là, c'est la distance qu'a le missile de la ville. Bon, ben... Ah, celui-là, je l'ai toujours oublié. Manuel de l'incinérateur. Cet incinérateur est une des installations qui consomme les déchets du laboratoire. On y brûle les matériaux perdus qui ne peuvent être décomposés dans la salle de traitement. Il alimente également l'usine d'électricité grâce à un générateur thermique. Une partie de l'électricité est stockée dans l'accumulateur qui se trouve dans les sous-sols de l'usine. L'électricité est utilisée comme source d'énergie auxiliaire. Le circuit électrique auxiliaire sera activé dès que... Les trois unités du circuit auxiliaire seront correctement insérées dans leur prise. Si les circuits ne se connectent pas automatiquement, il est possible de le faire manuellement pour activer le système. Ok. Ah oh, putain de ça. Bon bah finalement, il y a un zombie qui m'a bouffé le pied. Ah ça m'a foutu faible ça. Bah une petite bœuf. Wesh, esquive hein. Oh. Hein.
Il me prenait pour qui l'autre là? Ah, c'est pas aujourd'hui qu'un zombie mourra. Pas de mal à veille. Donc là, ouais, ça c'est sympathique. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Ouais. Et là, le cadavre d'un membre des forces spéciales. Eh ouais, l'armée américaine était là. Et faut pas oublier ce document, que je suis tenté de s'oublier. Dossier secret. Je pense qu'il est trop tôt pour utiliser l'épée Paracelsum. Ok. Dans les combats actuels, mais elle sera très utile pour obtenir le virus G développé par Umbrella. Oh, le virus G, ça rappelle Resident Evil 2. La puissance du rail canon est correcte. Mais il reste encore quelques points à perfectionner. Colonel Franklin Hard, division technologique. Donc, à première vue, l'armée est arrivée, hein, dans le coin aussi. Et à première vue, les Mister X aussi. Parce que comme vous saviez, il n'y en avait pas qu'un Mister X. Il y en avait au moins 5 autres avec lui. À la base. Oui, vous vous rappelez, il y en avait 5 autres. L'hélico en avait lâché un, mais il avait encore plein d'autres. La porte a été bloquée par une explosion. Bah en fait, les autres, bah, ils ont servi pour affronter les mecs de l'armée américaine. Une des armes biologiques d'Ambola. Les couilles à l'air, on peut le dire. Donc là, va falloir pousser les trucs, comme c'était dit dans le machin. On va pousser les trucs, et pousse. Ok, elle veut pas. Faut pousser après, alors. Mais je sais qu'il faut pousser. Tu me prends pas pour un con, hein, moi je le sais qu'il faut pousser. Check it, system. Allez, on y va. Parce que la porte est verrouillée, hein, accessoirement. Non, Pino, ça va pas être le moment. Hein. Donc, voilà la forme finale de Nemesis. Oui, c'est Nemesis. Et il aime bouffer du tyran à la cantine. Putain de merde. Bon, comme je l'ai dit, la porte est verrouillée. On va pousser ça. Allez, pousse, bouboule. Allez, canon particule activé, vas-y. Le tir est imminent. Hé, hey, mec, Nemesis, va te coucher. Oh, va te coucher, Nemesis. Hé, hey, Nemesis, va te coucher, Nemesis. Va te coucher. Heureusement, il est super lent et facile, accessoirement. Oh, par contre... ça va tirer là. Heureusement, ça nous crée un petit chemin. Nemesis, on aura besoin de toi accessoirement. Nemesis, t'es où?
Viens là, Nemesis. Nemesis. Putain, bien. Miro, je me barre. 3, 2, 1, fire. Nemesis. Viens là, connard. Elle déconne pas. Oh putain, vite, je me barre. Pouaf. Si joli bijou, dommage que ça va partir en fumée. Bon, au revoir Nemesis, hein. Je t'ai bien aimé. Encore? Oh, Nemesis, c'est trop mignon, il veut me faire un petit bisou. Donc, exterminer le monstre ou l'ignorer, l'évacuer. Mais vu que nous, on va être sûr que d'en finir avec lui, on va l'exterminer. On esquive. Hey, merci. You want stars? I'll give you stars. Là, il est pas mort. Et puis même, s'il est pas mort, je le vois mal se barrer de la ville avant que ça pète. Hein. Et là, une fois que ça aura pété la ville, là, Nemesis, hein, poupoum KO. Hein. Hein. Même le bon, même Nemesis, ça peut rien faire face à un ogive américain. Hein. Voulez-vous l'utiliser? Bon. J'espère que Carlos n'aura pas à l'affronter. Oh, ça va, il nous reste encore un peu de temps. Oh. Eh ben, quand on parle du loup. It's over, Carlos. What are you talking about? Don't you hear that? There's a second chopper, and it's here to rescue you. But who is it? Who could possibly be looking for me? It doesn't matter. We just have to be there when it lands. C'est Chris Redfield. Il veut te faire un bisou. Il t'aime en fait. Ouais, bon, restez pas sous l'hélico, putain, hein. Sinon... Pff. J'adore, ils ont traduit yeah par tu l'as dit. La meilleure traduction que j'ai jamais entendue. C'est Barry qui est venu nous sauver. It's blood! It's a chopper! And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark.
Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Oh là là, super fin. Et de la dernière fois qu'on voit Barry, hein. Enfin, je veux dire, sa dernière apparition chronologiquement, parce qu'après on le reverra, mais soit c'est pas canon, soit c'est les dans Resident Evil 1, pendant. Voilà. Voilà, j'ai fini la saison de Resident Evil 3. Mais j'espère que ça vous a plu, hein, mes petits loulous. On se retrouve approche. Sa putain de musique. Quelle la putain de musique joyeuse après tout ce qu'on a vécu, hein. Et quand on pense que techniquement 3 épisodes plus tard, on va dire techniquement, hein, dans Resident Evil 6, Nemesis revient, mais avec un autre nom, un autre virus, et c'est pas techniquement le même. Mais bon, c'est quand même un Nemesis en principe. Alors, Jill, Carlos, Michael, Nikolai, Brian, Tyrone, Murphy, Dario, oh là là. Barry n'est pas crédité au générique. Ah bah c'est méchant pour lui, hein. Il vient se casser le cul à sauver Jill à la dernière minute, et on le crédite pas au générique. Alors que Dario, la petite merde qui est apparue qu'au début et qui est mort comme un con, ah on le crédite, hein. Et les autres qui sont apparus qu'une fois aussi, ah on les crédite, ah mais Capcom. Ça vous a été présenté par Capcom. Tant, nombre de sauvegardes ici. Oh putain. J'ai un rang combien? Vous pouvez jouer au jeu bonus. Merci. Vous avez la clé de la boutique et de tenue. Vous avez un gun miché, bravo. Bon bah j'espère que cette série vous a plu. On se retrouve prochainement pour... J'ai prévu de faire une vidéo test sur un jeu, j'hésite entre deux, mais je pense que ce sera Forza Horizon. On se retrouvera pour ça, puis après pour du Silent Hill. Peut-être avec Steve, peut-être avec Gilbert. Je suis vent. Ou peut-être qu'on fait les vidéos bonus. Quoique, la vidéo test peut attendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, bye 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 bye.